Go Buster! Buster, Scout, Bandit et Ash font la course. Buster et Bandit sont au coude à coude, mais Scout est en tête. Ouh! Scout a gagné! Beau travail, Scout! Elle est vraiment super rapide. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le tonnerre? Il y a un orage qui arrive. Ils devraient se mettre à l'abri ou ils vont être tout mouillés. Wow! Ash est devenu tout boueux en glissant dans cette flaque. Attends une minute, ça donne une idée à Buster. Ouh! Glisser dans ces flaques boueuses est très amusant. Il pourrait jouer à un jeu, voir qui peut glisser le plus loin. Quelle bonne idée! Bandit passe en premier. Swish! Il a dérapé jusqu'ici. Mais Scout pense qu'elle veut mieux faire. Boum! Waouh! Scout est allé encore plus loin que Bandit. Maintenant, c'est au tour de Ash. Il est si petit qu'il tourne en rond. Il est tout étourdi, mais il est allé encore plus loin. En dernier, c'est Buster. Oh oh! Il dérape hors de contrôle. Wow! Oups! Buster a éclaboussé Mommy. On dirait qu'il est temps pour les petits véhicules de rentrer chez eux. Ils sont tous de retour chez Buster en un rien de temps. Mais attendez, ils ne peuvent pas rentrer tant qu'ils ne sont pas tous nettoyés. Mommy va utiliser le tuyau pour enlever toute la boue. Splish, splash! Là, maintenant, les quatre amis sont à nouveau propres. Mais quand même, cette course de dérapage était tellement amusante. C'est l'automne et Buster le bus et ses amis jouent dehors. Regarde toutes les feuilles qui tombent des arbres. Qu'est-ce que c'est? Je crois que Scout a une idée pour un jeu. Oh, Scout veut jouer à cache-cache. Quelle bonne idée! Buster, compte pendant que les autres vont se cacher. Tony Camion se cache dans la grange. Jessie la Jeep se cache sous cette boîte. Diggly la pelleteuse va creuser un trou derrière ces buissons. Vite Scout, il faut que tu trouves un endroit avant que Buster ait fini de compter. Mais où? Trois, deux, un, j'arrive, que vous soyez prêts ou non. Où sont-ils tous? Buster va chercher. Quelqu'un se cache-t-il dans la grange? Oui, tu as trouvé Tony Camion, Buster. Qu'en est-il de ces boîtes? Quelqu'un se cache-t-il par ici? Je crois que non. Attends une minute. Est-ce que cette boîte te suit, Buster? Ça veut dire que... Oui, tu as trouvé Jessie la Jeep. Bon travail. Et ces buissons, alors? Quelqu'un est-il ici? Regarde, il y a Robin. As-tu vu ça? Je me demande si... En effet, tu as trouvé Diggly la pelleteuse, Buster. Hurrah! Il ne reste plus que Scout. Je me demande où elle peut bien se cacher. Attends. As-tu remarqué quelque chose de bizarre avec ces feuilles? Voilà, Scout! Bien joué, Buster! Tu as trouvé toutes les cachettes de tes amis. N'était-ce pas amusant? Tu as l'air très heureux aujourd'hui, Buster! Qu'as-tu vu? Oh, waouh! Un chaton! Il est adorable! Oh, Buster, attention! Tu es très grand et ce chat est tout petit! Oh mince, je crois que tu l'as effrayé, Buster! Je me demande où elle va. Tu es trop grand pour passer sous la clôture, Buster. Tu vas devoir faire le tour. Où est parti ce chaton? Oh oh! Elle est coincée en haut de ce grand arbre. Tu dois la sauver, Buster. Un trampoline? Quelle bonne idée! Cela sera assez mou pour que le chaton tombe dessus.
Boing! Oh non, le chaton a rebondi jusqu'en haut de l'arbre. Essayons autre chose. Un filet? Bonne idée, Buster! Attention maintenant, doucement, doucement. Oh, regarde, une abeille! Ne bouge pas, Buster. Je crois qu'elle ne te veut aucun mal, mais... Oh mince, pauvre Buster! Le filet est cassé aussi. Retour à la case départ. Attends, je crois que Buster a une autre idée. Bien sûr! Buster a amené Ashley le camion de pompier avec lui. Elle va pouvoir atteindre le chaton avec sa grande échelle. Et voilà, le chaton va être en sécurité désormais. Oh non, je crois que le chaton a trop peur de descendre l'échelle. Je me demande ce que Buster a prévu. Oh oui, la boule de laine du chaton. Elle va descendre pour venir jouer avec. Regarde comme elle a l'air heureuse. Elle descend enfin l'échelle. Et voilà, sauvée et en sécurité. Bon travail, Buster! Bonjour, Buster! Quelle jolie fleur! Quelle belle journée ensoleillée! Buster est très heureux aujourd'hui. Et regarde, une belle pomme rouge juteuse! Tu devrais te dépêcher, Buster, ou tu vas être en retard à l'école. Le cours a déjà commencé. Vite! Oh mince! Je crois que la maîtresse n'est pas très contente que tu sois en retard, Buster. Tu dois bien écouter le cours désormais. On dirait que tu vas devoir conduire entre les cônes. Voilà Robin. Sois attentive, Buster. Ne sois pas distrait. Oh mince, la maîtresse n'a pas l'air contente du tout. C'est le moment de conduire entre les cônes. C'est bus orange qui commence. Doucement et avec prudence. C'est ça. La maîtresse est ravie. Maintenant, c'est ton tour, Buster. Bonne chance. Waouh ! Ralentis, Buster. Tu fais tomber les cônes. Essaye de rester entre les cônes. Oh mince, ce n'est pas ce que tu devais faire, Buster. Cela t'apprendra à aller trop vite. La maîtresse est très déçue. C'est la fin de la journée. C'est l'heure de tous rentrer chez nous. Je crois que Buster est triste de ne pas avoir fait ce qu'on attendait de lui. Peut-être qu'il devrait aller dire pardon à sa maîtresse. La maîtresse a l'air très fatiguée. C'était aussi une longue journée pour elle. Je crois qu'elle a besoin qu'on lui remonte le moral. Que pourrais-tu faire? La pomme! Super idée, Buster! C'est très gentil de ta part. Et tu as remonté le moral de ta maîtresse. Allez, Buster, cette fois tu peux le faire. Doucement, avec prudence. C'est ça, tu te concentres et tu y arrives. Bravo, Buster. Tu l'as fait. Bon travail, Buster, bien joué. Hey, salut, Buster. Oh, waouh, regarde ça. Tu es dans le Far West. Et regarde un peu ton chapeau de cow-boy. Ça doit être le shérif avec sa brillante étoile dorée. Oh, regarde, un lasso. Super, Buster! Maintenant, tu es un vrai cow-boy! Voilà Terry! Tape ton chapeau, cow-boy, et dis bonjour! On dirait que Terry n'est pas très impressionné. Attends, c'est Bandy le bus? Et qu'est-ce qu'il a sur son dos? Un sac! Je crois qu'il a cambriolé le magasin de bonbons. Comme il est méchant! Tu dois l'arrêter, Buster! Vite, Buster! Il s'enfuit! Rattrape-le! Réveille-toi, shérif, il y a un voleur qui s'échappe. Il file à côté des rails de train. Plus vite, Buster. Tu ne dois pas laisser Bandy s'échapper. Waouh, Bandy a sauté devant Suki le train. Attends que le train soit passé et... Où est-il allé? Oh non, il va de l'autre côté. Ça, c'était malin. À sa poursuite, Buster. Bandy essaye de semer Buster dans le champ de cactus. Attention, Buster, les cactus piquent beaucoup. Tu l'as presque rattrapé. Attention! Tu vas bien, Buster? Oh non, le cactus a troué ta roue. Et Bandy court toujours. Oh, tu ne l'attraperas jamais avec une roue crevée. Attends. Mais bien sûr, le lasso. Utilise-le, Buster. 1, 2, 3, go! Super, tu l'as fait. Tu as attrapé Bandy. Et voilà, shérif Otis. Je suis sûre qu'il est très reconnaissant. Et voilà, Bandy à sa place en prison.
Waouh, tu as un badge aussi, Sheriff Buster. Quel rêve vraiment chouette c'était. Quelle belle expédition, Buster. Je crois que Buster dort à nouveau. Où es-tu, Buster? Regarde toutes les balles géantes colorées et tous les jouets autour de toi. Cet endroit a l'air parfait pour une nouvelle aventure. Voyons voir ce que Buster peut trouver d'autre. Waouh, regarde ce nounours. Regarde comme il est gros. Il a l'air tout doux et câlin. Ah, c'est ça, Buster, fais-lui un gentil câlin. Oh non, Buster, quel est ce bruit? C'est une pince géante. Je crois que Buster est dans une machine à pince géante. Attention, elles vont t'attraper. Oh non! Ouf, Buster, c'était juste un mauvais rêve. Regarde, c'est Scout. On dirait que Buster est encore un peu secoué. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter, Buster. Regarde, Scout a quelque chose à te montrer. Je me demande ce que c'est. Oh non, c'est une machine à pinces. Buster a l'air effrayé. Scout n'en a pas peur. Peut-être que c'est rigolo. Ne t'inquiète pas, Buster. Scout est avec toi. Regarde, Buster, c'est ce nounours. Pourquoi n'essaies-tu pas de le gagner? Allez, Buster, sois courageux. Tu peux le faire. Ok, Buster, c'est l'heure d'attraper ce nounours. Prends ton temps. Ça a l'air bien. Ok. Et voilà. Tu l'as attrapé? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nounours. C'est un petit bus jaune. Ce jouet te ressemble comme deux gouttes d'eau, Buster. Cela fait bien rire, Buster et Scout. Buster a maintenant surmonté sa peur des machines à pinces. Rassemblez-vous pour écouter l'histoire de Buster le sorcier. Voilà Buster le bus. Il conduit à travers la forêt enchantée. Mais attends, qu'est-ce que ceci au bord de la route? Je crois que c'est un livre de sorts, un grimoire. Waouh! Buster peut l'utiliser pour faire de la magie. Regarde, c'est Scout, Terry et Jessie sur la place du village. Je crois que Buster va essayer de jeter des sorts. Voyons voir. Waouh! Un chapeau de sorcier. Buster fait vraiment de la magie. Je me demande quel sort Buster peut utiliser pour aider Terry. Abracadabra! Waouh, Buster a fait pousser les plantes. Bon travail, sorcier Buster. Quels autres sorts sont dans le grimoire? Le sort de l'abeille? Oh, regarde! Buster a transformé Scout en abeille. Elle s'amuse beaucoup à voler dans les airs. Je crois que Jessie veut voler aussi. Quel sort peux-tu utiliser? Des bulles? Cool! Jessie flotte dans sa propre bulle. Bon travail, sorcier Buster. Oh, regarde, il est fatigué. C'est l'heure de la sieste, Buster? Oh oh! Je crois que plus rien ne va. Perte de contrôle. Vite, Buster! Tout doit redevenir normal. Dépêche-toi, Buster. Tous les sorts ont disparu. Mais je ne crois pas que les amis de Buster soient très contents. Buster remet le grimoire là où il l'a trouvé. C'est sûrement une sage décision. Et c'est la fin de l'histoire Buster le sorcier. Merci d'avoir écouté. Hey, salut Buster. Et salut Digger. C'est un grand château de sable que vous avez construit là. C'est Sandy la mouette. Attention Sandy, ne te mets pas sur le château où tu vas... Oh mince. Pauvre Digger et Buster, ils ont dû passer tellement de temps à construire ce château de sable. Oust Sandy, envole-toi. As-tu vu Buster? C'est une forme rouge qui sort du sol. Je me demande ce que c'est. Beau travail Digger. C'est un triangle, n'est-ce pas super? Et regarde, Sandy a trouvé une forme jaune aussi. C'est un cercle. Peux-tu en trouver d'autres, Sandy? En voilà une autre.
Celle-ci est bleue. Vite, sortons-la. C'est un carré. Il a quatre côtés. Waouh, il y a beaucoup de formes. Triangle, cercle, rectangle, hexagone. Sandy, attends, ne... Hein? Oh mince! Les châteaux de sable s'effondrent si facilement. Attends une minute. Je crois que Buster a une idée. Buster et Digger rassemblent les formes. Je me demande ce qu'ils vont faire avec. Ils les entassent. Je crois qu'ils construisent une tour. Encore un morceau pour aller sur le haut. C'est ça, Buster. Doucement, doucement. Voilà, parfait. Waouh, Buster et Digger ont fait une tour avec les formes. Quelle bonne idée. Maintenant, ils peuvent reconstruire leur château de sable. Et regarde, Sandy peut se percher quelque part sans que tout s'effondre. Beau travail, Buster. Au revoir, Buster. Au revoir, Digger. Hey, salut, Buster. Qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot? Oh, regarde, Buster. Tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football. Et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y, Buster, ça va être très amusant. C'est parti. Ah, trop lent, Buster. CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jesse Jeep peut le stopper? Allez, Jesse, tu peux le faire. Oh, presque. Mais but. Beau shoot, CJ. Belle tête, Buster. Quel tir, Scout. Belle parade, Digger. Scout a joué la balle de Digger. Scout se précipite vers le but. Allez, Scout, tu peux le faire. Personne ne peut la contrer. But. C'est ça, Scout, bravo. Jesse à Scout. Scout lance d'un coup de pied. Super tir, Digger. Passe à Bandy. Oh, c'était un peu trop fort, Bandy. Bandy va-t-il marquer? Jesse peut-elle le contrer cette fois-ci? Oh non, Jesse a crevé le ballon. Est-ce la fin de la partie? Oh mais non! Regardez! Otis a un autre ballon. La partie reprend. Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandy, le bus a bousculé Buster. C'est une faute! Bon arbitrage, Robin. Bandy a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Hein? Maintenant, Buster a le droit de tirer un pénalty. Allez, Buster! But! Tu l'as fait, Buster! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée. C'était si amusant. Hey, regarde! C'est Buster le bus. Il passe une journée sur la plage. Oh, n'est-ce pas magnifique? Oh non, Buster, tes roues sont coincées dans le sable. Cela ne faisait pas partie du plan. Regardez Digger, il n'est pas coincé grâce à ses roues à chenilles. Et qui est-ce? C'est Sandy la mouette. Je me demande si Sandy va pouvoir aider. Je crois qu'elle veut que tu la suives, Buster. C'est ça, Buster. Si tu bouges une roue à la fois, tu ne seras plus bloqué. Digger est en train de creuser un trou. Oh, attention, Buster. Qu'est-ce que c'est? Un seau et une pelle? Je crois que Sandy veut que tu l'aides à construire un château de sable. Juste un peu de sable. Retourne-le. Et voilà! Un château de sable! Bien joué, Buster! N'est-il pas magnifique? Bon travail! Oh, waouh! Le château de sable de Digger est génial! Il est beaucoup plus grand que le tien! Attention, Buster, regarde devant toi! Attention au trou! Au moins, Digger est là pour t'en faire sortir! Je crois que Digger est très fier de son magnifique château de sable! Oh non, Sandy, ne te pose pas là! Tu vas détruire le château! Je crois que Sandy ne réalise pas ce qu'elle fait. Oh non! C'est juste une énorme pile de sable désormais. Et quel est ce bruit? Une vague! Attention les amis! Oh, pauvre Digger! Mais attendez, certains châteaux ne sont pas détruits.
Le petit château de Buster est toujours là. Et désormais, c'est le plus grand et le plus beau grâce à Sandy. Au revoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée à la plage. Hey, salut Buster. Qu'est-ce que tu as là? Une glace? Elle a l'air délicieuse. Oh non, qu'est-ce qui se passe Buster? Tu as une dent qui bouge. C'est inquiétant. Peut-être que tu ne devrais pas manger toutes ces sucreries, Buster. Hein? Oh mince, ça a l'air douloureux. Pauvre Buster. Bonne idée, Robin. Buster devrait aller chez le dentiste pour avoir un avis sur cette dent. On dirait qu'il a peur. Oh, cette sucette a l'air délicieuse. Mais tu crois que c'est bien raisonnable, Buster? Aïe! On dirait que ça fait vraiment mal. Pourquoi ne pas manger une pomme, Buster? Quelque chose avec un peu moins de sucre? Je crois que Buster a trop peur de manger quoi que ce soit maintenant. Oh mince, cette dent lui fait encore mal. Pauvre Buster, il ne peut pas rester comme ça. C'est bien, Robin, va chercher de l'aide. Regarde qui c'est. C'est Amber l'ambulance. Elle saura quoi faire. Oh, n'aie pas peur, Buster. Amber est là pour t'aider. Tu dois juste être courageux. Ouvre la bouche. Allez, Buster, ouvre bien grand pour qu'Amber puisse voir ta dent. Regardons ça. Oh oui, ça a l'air très douloureux, Buster. On dirait que tu vas perdre ta première dent de lait. Mais ne t'inquiète pas, Buster, on perd tous nos dents de lait en grandissant. Et ensuite, tu auras des dents définitives. Amber sait comment t'aider. Une brosse à dents, mets du dentifrice dessus et brosse bien partout. C'est ça, Buster, tes dents sont belles et propres. C'est important de prendre soin de tes dents. Et hop, on rince. Bien joué, Buster. De la glace va soulager la douleur. C'est bien mieux. Tu vois? Merci, Amber. La dent de Buster ira mieux demain matin. Oh waouh, regarde Buster, ta dent de lait est tombée. C'est bien mieux comme ça, pas vrai? Et une nouvelle dent va bientôt pousser à sa place. Bravo Buster, tu as été très courageux. Hey, salut Buster. C'est un super poster de requin que tu as là. Oh, Buster a l'air très fatigué. Je me demande de quoi il va rêver. Qu'est-ce que ceci? Des nageoires et du corail? Oh waouh! Buster, je crois que tu es sous l'océan! Regarde Buster qui file! L'océan est sa nouvelle cour de récréation! N'est-ce pas magnifique? Vas-y Buster, saute dans le ciel! C'est si amusant! Attendez! Qu'est-ce que c'est? C'est un énorme poisson! Vite Buster, cache-toi! Oh, regarde! Il n'est pas gros du tout, il est minuscule! Tout va bien, Buster, pas d'inquiétude! Mais qui est-ce? C'est Cham, le requin! Regarde toutes ses dents pointues! Cache-toi, Buster, vite! Oh non, Buster a fait vriller le petit poisson et le petit poisson se dirige tout droit vers le requin! Cham, le requin, a l'air d'avoir envie de se faire des amis! Mais on dirait que tout le monde a peur de lui! Vite, petit poisson, cache-toi près de Buster. Attendez une seconde. Le requin est triste. Très triste. Tu sais, Buster, je pense que Cham se sent seul. Il essayait d'être gentil. Il n'a aucun ami. C'est exact, Buster. Va lui dire bonjour. Tu vois, il veut juste quelqu'un avec qui s'amuser. Buster et Cham s'amusent énormément. L'océan est un endroit merveilleux pour jouer au loup et se faire de nouveaux amis. Regarde-les. Oh! Buster se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Tu n'as plus de nageoire désormais, Buster. Tu es redevenu un bus. Quelle merveilleuse aventure aquatique. Hey! Salut, Buster! Salut, petit Robin! C'est bien, Buster! Regarde bien des deux côtés avant de traverser la voie ferrée! Waouh! C'était moins nul! C'est qui, le train ne regarde-t-elle pas où elle se dirige? Voilà Otis, la voiture de police! Quelque chose ne va pas! Vite, Buster! Peut-être que tu peux aider! Oh non, Suki s'est endormi! Si personne ne l'arrête, où finira-t-elle? Qu'allons-nous faire? Attendez, je crois que Buster a une idée. Une corde, bonne idée Buster, tu peux l'utiliser pour ralentir Suki. Bravo Robin. C'est ça, tire, tu peux le faire.
Oh non, la corde s'est cassée. Suki est toujours hors de contrôle. Je crois qu'elle va encore plus vite désormais. Tu dois la rattraper vite. Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh mince, c'est Digger. Suki se dirige droit sur lui et ne l'a pas vu. Une autre voie, en montée cette fois. Attention Buster. C'était moins une. Bien évité Buster. Tu dois dévier les rails Buster pour que Suki aille en montée. Vite Buster, tu peux le faire, tu y es presque. Oui, juste à temps. Bravo, bien joué Buster, tu as dévié la voie. Suki est en montée, cela va la ralentir. Là, doucement. Elle s'est arrêtée. Je crois que Suki se réveille. Quel soulagement, personne n'a été blessé. Bravo Buster, tu as aidé Otis et tu as tout arrangé. Ah, quelle belle journée. Je crois que Buster a un peu chaud. Hey, regarde, Scout a une super idée. Une glace va te rafraîchir, Buster. Et elle a l'air délicieuse. Une bonne glace. Tu entends, Buster? C'est le bruit de... Iggy, le camion glace. Hey, salut Iggy. Buster veut une glace. Eh bien, tu es au bon endroit, Buster. Regarde tous ces parfums. Pépites de chocolat, confetti de vanille, triple boule de glace, tourbillon de framboise, fraises vanille avec sauce chocolat. On dirait que Buster a fait son choix. Waouh, merci Iggy. Oups, c'était rapide ça Buster. Tu as adoré on dirait. Une autre déjà? Oh salut Digger, il a rejoint la ville pour prendre une glace aussi. Une autre glace arrive tout de suite. Buster adore la glace. Buster, tu veux vraiment une troisième glace? On dirait que Digger s'impatiente. Tu n'es pas le seul à vouloir une glace Buster. Délicieux. Une glace vanille avec un flocon de chocolat. La queue s'agrandit. Tout le monde veut une glace de chez Iggy. Et Buster en veut une quatrième. Délicieuse. Celle-ci a une cerise dessus. Ok, Buster, maintenant c'est assez. Digger et Billy ont sagement patienté pour avoir leur glace et tu deviens trop gourmand. On dirait qu'Iggy en a assez de l'attitude de Buster. Haha, tu veux encore une glace, Buster? Pas de problème. Regardez. C'est Buster la glace. Il lui manque des décorations. Un délicieux flocon de chocolat et une cerise. Yam! Cela a complètement rafraîchi Buster. Billy se régale avec la cerise et Digger mange le haut de la glace. Cette Buster glace est vraiment délicieuse. Je suis sûre que Buster sera moins gourmand à l'avenir. Merci Iggy pour toutes ces délicieuses glaces. Miam, miam, miam. La glace, c'est vraiment aussi bon que joli. Buster, on dirait que tu es complètement couvert de boue. Tu t'es bien amusé à sauter dans ces flaques de gadou. On dirait que Buster a besoin d'un lavage. J'ignore s'il le sait. Voici le bus de la ville. Oh mince, il n'a pas l'air très impressionné par l'apparence de Buster. On dirait que Buster vient de réaliser à quel point il est sale. En effet, Buster, tu es couvert de boue. Est-ce le signe qu'il faut se laver? Bonne idée, Buster. Le voilà en route pour le lavage auto afin de se nettoyer. Oh, pauvre Buster! Il a trop peur d'y entrer. Ça a l'air très effrayant, n'est-ce pas? Courage, Buster, tu peux le faire. Il faut te laver, tu es si sale. Il entre. Buster est très courageux, en effet. 1, 2, 3... Oh non! Tu y étais presque, Buster. Revoilà le bus de la ville. Oh, il a l'air très impatient. Buster respire profondément. Tu peux le faire. Mais les bruits font si peur. Allez, Buster, tu peux y arriver, tu y es presque. À vos marques. Go! Tu y arrives, Buster! Ça chatouille, ce n'est pas si mal finalement. Et il ressort.
Allons, ça n'était pas si terrible, n'est-ce pas, Buster? Tout brillant et tout propre, tu es magnifique. Waouh, bravo, Buster. Ce lavage auto n'était pas si terrifiant après tout. Au revoir, Buster.